David, est-ce qu'ils savent qu'il y a une différence entre l'homme fait et l'homme formé? Est-ce qu'ils savent qu'à la création, il y a différentes dimensions de création? Il y a eu l'homme fait et l'homme. On a vu dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Un peu plus loin, lorsque l'homme a été fait au niveau de l'esprit, il a fallu maintenant former cet homme. Et pour former cet homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la poussière et il a formé avec le corps de l'homme. L'homme formé, c'est le corps, c'est la chair. L'homme fait, c'est l'esprit. Or, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es un homme formé, au lieu d'être un homme fait, tu es à la merci du diable. Parce que dans Genèse 3, le diable a reçu une malédiction de la part de Dieu. Il dit, tu seras maudit et tous les jours, tu mangeras la poussière de la terre. Lorsque tu vis comme un homme formé, tu deviens la nourriture du diable. Écoute, l'homme formé est la nourriture du serpent. Il s'inscrit dans la postérité sable. Pourtant, il y a eu deux postérités qui sont sorties du ventre d'Abraham. La postérité sable qui vient de la terre et la postérité étoile qui vient du ciel. Je ne supporterai jamais de faire partie de la postérité sable, parce que la postérité sable, c'est la nourriture du diable. Moi, je suis une étoile. Je suis de la postérité étoile. Oh mon Dieu, Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Lorsqu'on dit comme, ces deux éléments périodiquement peut-être être identiques, mais qui ne sont pas en fait conformes parfaitement. Ce verset veut dire qu'en fait tu n'es pas un homme. Parce qu'un chien enfante un chien, un lion enfante un lion, un chat enfante un chat, une girafe enfante une girafe, un dieu enfante un... Je déclare, décrète et prophétise, je lève ma main droite sous l'onction du Saint-Esprit. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, alors que nous sommes engagés dans le processus de la croissance, fini pour toi de vivre corps, âme, esprit. Il est temps pour toi de retourner les yeux et de commencer à vivre esprit, âme et corps. Il est temps de révéler ta véritable nature. Tu es un Dieu. Tu n'es pas là pour subir. Tu n'es pas là pour qu'on t'impose, mais pour imposer. Tu n'es pas là pour pouvoir subir. Tu es là pour pouvoir vivre la vie divine sur la terre. Donne-moi un bon amen.